Ouais, c'était bah, une expérience énorme, unique, une vraie ferveur avec toutes les difficultés qu'on connaît au pays, en Haïti. Il y a un vrai amour du football et une vraie ferveur. Le meilleur souvenir que j'ai, bon, même si on a pris une petite volée, c'est contre le Brésil à Orlando malgré tout, parce que Victoire 7-1 du Brésil. voilà, parce qu'il y avait une vraie communauté, il y a une vraie communauté là-bas à Orlando, en Floride, d'Haïtiens. Et le stade était plein et on s'en est rendu compte quand on a marqué. On a l'impression que c'est nous qui avions ouvert le score. C'est devenu le héros, votre buteur. Ouais, on a l'impression que c'est. Et moi, ça m'avait vraiment surpris. Parce que bon, quand on est défenseur, déjà, tu prends un but, c'est la fin du monde. Donc là, Brésil ou pas Brésil, c'était pas notre problème. Comme C'est. dirait Makelele. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est vrai que le fait d'avoir marqué, que ça a fait du bruit, que ça a fait trembler le stade, ah, ils ont réussi à nous faire passer malgré tout un bon moment. C'est Marcelin qui a Et marqué pour voilà. Haïti. Vous étiez le petit Tiens, poussé de la compétition. qu'est-ce qui te pousse, alors que tu as quitté ce pays à 3 ans et demi, de revenir jouer pour ton pays? C'est tout simplement, c'était une manière aussi pour moi, parce qu'ils m'ont bah, ils m'ont approché quand j'avais 19-20 ans, de mon plus jeune âge, ils m'ont approché pour que je rejoigne la sélection. Et c'était une manière pour moi, même si je suis très bien en France, j'ai manqué de rien, j'ai pas spécialement de manque sur le plan affectif, voilà, tout ce qu'on veut. C'est quand même, voilà, je suis quand même né en Haïti, c'est une partie de moi, et c'était une opportunité de renouer avec mon pays d'origine. Retour aux sources. Retour aux sources. Et effectivement, moi, j'avais connaissance des valises que certains collègues ramenaient de leur sélection africaine, par exemple. Ouais. Et bon, nous, on était loin de ça, mais c'était secondaire. Moi, j'y suis allé. La première fois, je ne sais même pas si on a eu 100 dollars. Même vous devez quelquefois payer votre billet pour vous Ouais, des déplacer. fois, on doit Comme certains joueurs payer. Donc, africains. il y a eu un changement. C'était, ouais, c'est niveau organisation, c'est pas trop ça. Ils ont quand même. Je parle de ça, c'était ma première sélection. Entre-temps, il y a eu quand même de C'est un l'amélioration. peu mieux, ouais. Ouais. Mais voilà, j'étais dans le train, mon agent reçoit le changement, ils avaient changé le départ, c'était plus le même aéroport, il a fallu. Voilà, je suis Ouais. arrivé. Tu retournes souvent à Haïti? Du coup, je suis retourné que via la sélection. Il y a toujours les stigmates du tremblement de terre? Ouais, malheureusement, ouais, il y a J'y avais été toujours. 15 jours après, Il y a toujours, ouais, moi. il y a toujours, et quand on traverse le pays avec le bus et tout, on voit. Mais il suffit, on sort de l'aéroport, malheureusement, la misère, Bah ouais, elle est j'espère. tout de Ouais. suite là. Donc T'as fait voilà, des après, matchs à domicile? T'as fait des matchs à domicile ou ouais, pas? j'ai fait des matchs à Et domicile, alors, donc c'est de la folie? c'est de la folie, c'est énorme. Ouais. C'est bon, par contre, on joue sur un terrain synthétique, C'est dur, hein? c'est difficile, Ouais, mais non, bon, ça reste, c'est une belle ambiance. Tu rentres sur le terrain, on est reconnaissant, c'est un boucan pas possible. ils aiment le foot, ouais. Ils aiment le foot et pour ça, voilà, ça c'est. Voilà, donc c'est. Voilà, ça c'est. On peut pas parler argent C'était plutôt l'amour dans ces du cas-là. pays. Et Plutôt l'amour du pays, surtout faire que connaître c'est. le foot haïtien à cette Voilà, compétition. puis les Haïtiens, ils suivent Je peux les poser une question Haïtiens. un peu perso? Tu as encore de la famille là-bas ou pas? Non, non, j'ai pas de famille. C'est juste que voilà, après je sais où je suis né. Voilà, j'ai mon acte de naissance, donc je Tes sais où. parents, tu les. Ils... Non, non, je sais la ville où je suis né. J'ai l'acte de naissance. J'ai une photo de mes parents biologiques. Donc le pourquoi du comment on a été adopté. Ouais. Tu les as jamais vus? Mais non, non, jamais. Non, non, on était abandonné avec mon frère et puis on était adopté.